Nous avons fait réaliser la manche, la première. Alors, pour cela donc, on va prendre quatre aiguilles à double pointe. Avec mon crochet, je vais relever chaque côté. On va faire. Je vais prendre 26 mailles. Je vais relever 26 mailles de chaque côté. Pareil. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc je prends 26 mailles. Donc, 26 mailles une fois, on ajoute. 26, 27, 28, 29 mailles. D'accord. Je prends les 29 mailles. Je vais les placer sur une aiguille. Une aiguille. Après, je vais prendre donc là au milieu, ce milieu, je vais prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 11, 12, 13 mailles. 13 mailles, je vais répondre. Donc, 13 mailles ici et ici aussi 13 mailles. Donc je vais faire 1, 2, pour avoir 26 mailles aussi sur ici devant. Donc, 13 mailles, 26 mailles, je le place sur une aiguille. Une aiguille. Et je viens ici, je récupère 27 mailles ici aussi. À la fin, je tourne le travail. Je vais repartir par l'envers du travail sur toutes les mailles. Pour la première fois, côté toutes les mailles à l'envers. On termine donc de récupérer, de faire une rangée à l'envers. On repart cette fois-ci à l'endroit où je travaille. Donc on prend d'abord les 27 mailles une fois. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On fait 2 mailles ensemble, donc 22.
23 24 mai. Alors sur les 20 sur le 26 mai du milieu, on fait une maille en variant cette fois-ci le point ajouré sur ces mailles. Donc on fait la première rangée du point ajouré. Normalement, 3 mailles à l'endroit. Ajouter, on répète la séquence. 3 mailles. Sur J double, donc on va faire la première rangée et puis la suite termine. Donc la première rangée par 3 mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Si nous avons 2 mailles, un reste. Alors on va diminuer, on va récupérer les mailles. Former la manche cette fois-ci, on fait passe le fil devant ceci, je glisse je tourne fil devant et je repars à l'envers sur les 26 mailles. Tricote toutes les mailles à l'envers. On arrive à la fin. On va faire la même chose pour récupérer une maille. On passe le fil derrière. On glisse une maille. On tourne. Travail. La maille glissée, on la tricote pas, on repart et là je fais normalement la deuxième rangée du point ajouré. Jusqu'à la fin de la rangée. On termine la rangée, on refait donc la même chose, passe le fil devant, on glisse une maille, passe le fil derrière, on tourne et on repart à l'envers sur les 26 mailles. Alors on va faire, on va répéter la même chose jusqu'à ce qu'on termine toutes les mailles de chaque aiguille. Et là, on termine la rangée, on refait la même chose, on passe le fil derrière, on glisse la maille, on passe le fil devant, on tourne et on repart, on tricote pas la maille glissée. Au fur et à mesure, on va augmenter le nombre de mailles et on refait le point ajouré normalement. On va faire la même chose jusqu'à ce qu'on va récupérer toutes les mailles de chaque côté. Alors, on continue toujours de former notre manche. Vous voyez. Au fur et à mesure, donc, on va récupérer les mailles de chaque côté. Et on va avoir la manche déjà qui prend forme. Comme toujours, on finit la dernière maille, on la tricote hein, sur le côté. Ici, je passe le fil devant, ça, je glisse la maille, hein, je fais passer le fil derrière,
tourne toujours. Oula. On tourne et je repars toujours. Je tricote pas. La maille glissée. Je récupère. Et maille. Vous voyez? Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de chaque côté. Alors, je vais finir avec les mailles. Je vais finir de récupérer chaque maille. Une maille de chaque côté jusqu'à la fin de toutes les mailles. Et comme toujours, de ce côté, on récupère aussi d'une maille. Toujours, on a le fil du vent. Je glisse la maille. Je vais passer le fil à l'intérieur. Je tourne et je repars sur les mailles. Je tricote pas toujours la première maille. Voyez. Donc toutes les mailles que je récupère, je vais pas réaliser le point ajouré comme j'ai dit au début. Le point ajouré, c'est sur les 24 mailles que j'ai relevées au début. Donc là, 3, on va faire. On continue toujours avec le point ajouré jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, le point ajouté sur les 24 mailles du milieu. Alors, on termine de récupérer les mailles et on se retrouve après. Alors, à la dernière diminution, je tricote, je prends la maille, la dernière maille normalement. Allez voir. Je prends dernière maille normalement. Ici. Et après. Je vais continuer de travailler en rond. Et je continue de travailler en rond cette fois-ci. Allez, je repars normalement. Voir. On prend toutes les mailles et on fait le point ajouré sur les 24 mailles comme j'ai fait au début. Donc là, on va travailler en rond. Je termine la première rangée. J'y tourne. J'arrive sur la rangée. Sur les mailles plutôt et voir si là je continue avec mon point ajouré. Rien ne change, je fais mon point ajouré normalement. Si je termine la rangée du point ajouré, si normalement, et là, je reprends l'autre
aiguille et je tricote normalement à la fin tout à l'endroit. Et voir. Dernière rangée, donc on fait que tourner en rond jusqu'à 10. Voyez, on va tricoter notre manche. Allez voir. La forme que nous avons ici à la fin.